1990X年、世界は核の炎に包まれた。海は枯れ、地は裂け、あらゆる生命体が絶滅したかに見えた。だが人類は死滅していなかった。Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Funiman. Les amis, je rigole déjà avant le début de la vidéo. En fait, ce que vous n'avez pas vu, c'est que j'ai dû tourner 5 fois le début de la vidéo parce que j'avais un fou rire. Là, il est encore présent à cause du thème abordé dans cette vidéo. Alors, vous connaissez mon amour inconditionnel pour Okuto no Ken, le manga, mais pas que. Je dirais l'univers d'Okuto no Ken. Donc ça a dérivé, hein, l'univers a dérivé hors du manga, hein, OAV, jeux vidéo, etc. Et du coup, ça a bercé non seulement mon enfance, mais aussi le fur et à mesure, hein, de l'évolution standard. L'évolution, moi j'ai grandi, je ne suis plus un enfant, et pourtant j'ai toujours cet amour. Et en termes de jeux vidéo, bah, on a été quand même bien lotis, notamment à l'époque de la Super Nintendo, où on a eu plusieurs opus, vraiment plusieurs, dont des Versus. On a eu une version arcade qui est al dente, j'aime beaucoup, une version PS2. Donc, même une version PS5 est bien sympa, la version PS1. Donc, on va dire à l'époque Super Nintendo, bien loti. Il y a même un épisode Game Boy. Il y a le Black Belt, hein, sur Master System, hein, qui est en fait Okuto no Ken dans la version japonaise. Il y a eu la version Mega Drive, Last Battle. Okuto no Ken en Jap est là vraiment, avec le vrai protagoniste, torse nu, etc. Donc sur l'ère des 8-16 bits, il y a ce qu'il faut. On a dit PS1, il y a eu un opus. PS2, il y a eu un opus qui est vraiment très sympa, le Versus Fighting, un peu dans l'esprit des Guilty Gear, dans cet état d'esprit-là. Franchement, bien sympa. Bon, bref. Du côté Nintendo, par contre, alors évidemment, il y a eu aussi, je les ai sortis pour l'occasion, il y a eu, après la PS2, les versions PS3, que j'ai bien saignées. J'ai vraiment retrouvé le plaisir du manga, notamment sur le Ken 2, avec l'ère de Rao, hein, l'histoire, l'aventure, hein, l'ère, la terre de Shura, là, le Ken 2, vraiment, quoi. Et concept, mélange, moi je dis mélange RPG un peu, et j'ai vraiment passé un temps fou. On peut y passer plus de 100 heures, hein, à ce jeu-là. Donc, rien à dire, j'ai vraiment apprécié ces opus, j'ai passé de bons moments. Par contre, du côté Nintendo, depuis la Super Nintendo, qu'est-ce qu'on a en termes de Okuto no Ken? Après la Super Nintendo, il y a eu quoi? Il y a eu la N64. Walou! Que dalle! Pas de Okuto no Ken. Sur Game Boy Advance, j'en ai pas entendu parler. Peut-être dans la version Jap, mais ça me dit rien. Ensuite, il y a eu GameCube. Que dalle, rien. Il y a eu la Wii, il y a eu un vieux Ken, je ne sais même plus comment ils s'appellent ces jeux-là, les Pancho Villa, là. Pachinko, je crois. Ça compte pas. Wii U, que dalle. Et on arrive à la Switch. Switch, console de cœur de Fouini. Je voulais un Okuto à pain, Okuto no Ken. L'héritier du haut couteau de cuisine est le seul capable de venir à bout du tyran et de détruire l'édifice sacré d'une lente de fourrure. Il va utiliser la technique secrète du haut couteau de cuisine. J'espère qu'il sait ce qu'il fait. Eh ben, il y en a un. Il y en a un, les potos. Il y en a un. Mais il y en a un en mode fitness boxing. Alors, je vais préciser un peu les choses. Fitness boxing, c'est déjà des jeux existants sur Switch. Avant ce Okuto no Ken, Fist of the North Star, il y avait déjà deux épisodes, deux opus orientés boxing, fitness. Sorti, je sais pas, peut-être à la sortie de la Wii pour le premier. Le deuxième, ça doit être peut-être 2020. Et le Okuto no Ken, dont je vous parle là, actuellement, c'est un jeu 2023. C'est un jeu qui est sorti il y a quelques mois, en fait. Alors, ces fitness boxing, c'est des jeux qui utilisent la technologie associée de mouvement sur la Switch. Donc, c'est du gameplay, tout en faisant un peu du sport. C'est assez apprécié, notamment au pays du soleil levant, au Japon. Ici, pourquoi pas? Je dis pourquoi pas au concept.
Seulement, j'ai voulu me procurer ce jeu. Pourquoi j'ai voulu me procurer ce jeu? Pour en faire une vidéo sur ma chaîne, ça me tenait à cœur. Parce que je voulais tester ce type de jeu. Je voulais tester ce type de jeu fusionné avec du Hokuto no Ken. Je trouvais le truc assez perché. Et je voulais tester. J'avais entendu un pote à moi qui le possède, me dire, teste-le, c'est loin d'être pourri. Donc je voulais me fixer ce point de vue. Et je vais vous expliquer le pourquoi du comment, pourquoi il me dit ça, parce qu'il m'a argumenté, évidemment. Le problème, c'est que ça vaut 80 à 90 euros. J'arrive pas à le trouver moins cher. C'est 80 balles, 90 balles. Moi, je le voulais à 40 balles, quoi. Et encore, 40 balles, c'est faut les mettre, hein. Donc, soit il a vraiment été édité en peu d'exemplaires et puis il est peu trouvable, et ce jeu, il est déjà très cher. C'est une possibilité. Soit les gens le conservent et le peu qu'ils le vendent, ils regardent les prix. Il y en a un premier qui a dû mettre un prix stratosphérique et les autres essaient de s'en approcher, quoi, en fait. Donc bon, le prix m'a refroidi, donc je ne le possède pas dans ma collection. Je n'ai pas pu en faire une vidéo test. Et pour autant, j'ai quand même voulu sortir cette vidéo. Et du coup, j'ai fait une analyse, j'ai regardé beaucoup de gameplay et j'ai surtout beaucoup échangé avec mon pote. Alors lui, il m'a dit que grossièrement, il avait déjà Fitness Boxing 2, je crois, qu'il avait beaucoup apprécié. Il y a un univers, évolutif. Il faut vraiment, vraiment s'investir pour pouvoir évoluer dans le jeu. Il y a un principe d'argent, notamment dans le Hokuto no Ken. Il y a un principe de dollars. Et en fait, ça ne se gagne pas en claquant des doigts. Donc il y a un vrai entraînement à effectuer pour pouvoir générer ces dollars. Il m'expliquait qu'avec l'argent, on peut débloquer pas mal de choses, notamment des musiques. Et les musiques, il m'a dit, c'est le kiff absolu parce que ça, c'est des musiques dans l'univers du manga, souvent chantées, etc. Et c'est vraiment ce qui, il me dit, ce qui génère le fun parce que c'est dans les mouvements, le kiff, c'est un peu comme si tu fais du sport avec de la musique. Ça va de pair. Donc il m'a dit ça, déjà, c'est un facteur important. Il me dit, dans les fitness boxing précédents, il y avait ce concept de mouvement. Tu dois donner un coup de poing, tu dois donner un coup de pied, bien, on va dire, synchronisé, après ça s'accentue en fonction des musiques. Il me dit c'est toujours présent. Le principe de changement de décor, changement de stage. Il me dit sauf que c'est dans l'univers de Hokuto no Ken. Il me dit c'est un mariage assez particulier à la base. Mais qui peut interpeller. Hein, il m'a interpellé d'ailleurs. Mais il me dit cette fusion, finalement elle était plutôt bien faite, puisque on est vraiment dans l'univers du manga. Ça rajoute un vrai charme au fitness boxing. Ça le sort peut-être parfois du cadre du fitness boxing standard. Il me dit par contre, la vraie plus-value, c'est qu'il y a un mode de combat. Il m'a dit il y a un mode combat qu'il n'y a pas dans les autres. Alors il ne m'a pas donné plus de détails sur le mode combat. Je pense qu'on doit enchaîner entre des ennemis standards, peut-être des boss, etc. Il m'a dit ce mode-là, il est vraiment ultra kiffant. Il me dit il y a les coups spéciaux associés, en particulier les 100 points. Donc tout ça, ça doit être méga fun, je pense. Même si, allez, c'est fun une fois, peut-être au bout d'un moment c'est redondant, mais j'aimerais bien tester, voir ce que ça donne. Je dis pas que je suis ultra interpellé ou ultra intéressé, mais je suis perplexe, j'ai envie de voir un petit peu. Il m'expliquait que les musiques en soi, c'est vraiment quelque chose d'intéressant, et que le concept de pouvoir les débloquer toutes, c'est un beau challenge. Il y a des personnages qu'on peut débloquer aussi. En gros, tu as des mouvements à effectuer, puis tu as des coachs. Tu as des coachs qui vont te générer des combinaisons, etc. Il m'a dit qu'il y avait un coach fille. Bon, un seul. Sinon que des mecs, mais après dans l'univers Hokuto no Ken, je suis pas plus surpris que ça. Il m'expliquait que c'était assez fluide. Donc cette fluidité, elle est intéressante aussi. Moi, je vais rétorquer, évidemment, que quitte à faire à Hokuto no Ken, j'attendais un vrai jeu. J'attendais soit un jeu d'aventure, un peu dans l'esprit de ce qu'ils ont fait sur PS3 par exemple, soit un versus de qualité, un mélange 2D-3D, un versus comme on peut voir aujourd'hui avec du Street 6 ou du nouveau KOF, du KOF 15. Donc ça m'aurait plu aussi. Mais il n'y a rien de ça. Sur Switch, sur Nintendo même, du Hokuto no Ken, ça se fait très 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 rare. À part ce fitness boxing, je me suis même dit comment ils ont réussi à avoir la licence, comment ils ont négocié ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça a été mis en place.
En soi, tant mieux, j'aurais tendance à dire, pour les fans japonais de sport et de manga, ça s'y prête bien. Je pense qu'en Europe, c'est beaucoup moins attractif. Il ne doit pas avoir de version française, ça doit être vraiment une version import. C'est peut-être ce qui explique le prix. Ils n'ont pas dû en créer des masses, c'est peut-être ça, mais j'achèterai jamais à ce prix-là, je vous le dis. J'ai regardé sur Vinted, avant de tourner cette vidéo, j'ai regardé sur Vinted pendant quelques temps, il n'y en a jamais eu. Rien, niette. Ça tourne un peu sur eBay principalement. Voilà, les exemplaires que j'ai vus, c'est sur eBay, quasiment. Et puis, c'était à des prix 80, 90 balles, quoi. Entre 70 et 90 balles, quoi. Stratosphérique. En soi, c'est une déception. C'est-à-dire que nous, on n'attend pas un Kutonoken comme ça. Donc, c'est première chose. C'est pour du fitness très spécifique, très perché. Moi, j'allais le tester quelques heures. Je dis même pas que c'est un objet de collection, hein. J'étais interpellé. J'étais prêt à mettre un peu d'argent pour tester ça. Je suis un fan, je fais des vidéos YouTube, donc ça m'aurait permis d'être un peu plus dans l'explicatif, dans le concret. Mais là, je peux pas. Je peux pas mettre 80 balles dans un jeu qui est assez perché et qui n'est pas dans l'univers de ce que j'attends, qui est sur une console où ils ont déserté la licence. Donc moi, je dis non. Voilà. Maintenant, je suis toujours dans l'état d'esprit de me dire que j'espère qu'ils vont pondre un vrai Okutonoken sur Nintendo. Ils sont revenus à un standard où ils touchent aussi un peu les adultes. L'époque de la Wii et la Wii U, c'était presque révolu. Hein, je comptais plus sur les jeux un peu sérieux. Là, on est sur la Switch. On va dire, on joue sur les deux tableaux. Il y a pour la famille, il y a pour les enfants, famille et adultes, hein. Et il y a les jeux vraiment purement adultes. Donc j'attends quand même une réaction de pouvoir voir un vrai Okutonoken sur la Nintendo Switch. Alors, l'avenir, comment il se profile? Je vais continuer à guetter. Si je peux choper ce fitness boxing Fist of the North Star à prix décent. Donc je vais regarder sur les réseaux sociaux. Je vais en parler à des potes. S'il y en a un qui le possède et qui veut bien le céder, etc. Si je vois que c'est impossible de l'obtenir pour 40 euros ou 30 euros. Je tourne la page, définitivement. Si je vois que c'est faisable, là, à ce moment-là, j'essaierai de me le procurer et j'en ferai une vidéo test où je donnerai mon propre point de vue et non pas le point de vue récolté en regardant des vidéos, des gameplays, des let's play, en discutant avec les potes. Un vrai point de vue parce que ce n'est pas le genre de jeu. Autant un jeu de plateforme ou d'aventure, si on regarde une vidéo, c'est assez parlant. Là, c'est un jeu de mouvement. C'est un jeu de fitness. Donc je pense qu'il faut le tester pour vraiment se fixer son point de vue. Est-ce qu'on est vraiment dans le move? Est-ce qu'on finit en sueur et puis avec ce petit kiff, un peu comme, je sais pas, quand on a un jeu de gun avec le pistolet, des fois c'est un laps de temps très court, 2-3 minutes, un petit stage de 3 minutes, mais le kiff est là. On est à fond, on est un peu en sueur et on en sort content. Quand je jouais à Wii Sport Trésor avec mes enfants, bah, c'était très court, etc. Graphiquement, c'était ultra moche, mais il y avait un petit kiff. Alors, certes, je ne pouvais pas y jouer des dizaines d'heures, mais il y avait ce petit kiff. Donc, j'aimerais voir si c'est le cas. En tout cas, si vous avez regardé cette vidéo et que vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo et que vous possédez le jeu, j'attends vraiment vos commentaires avec impatience. Hein, il y a un commentaire à mettre dans ce cas-là, impérativement. Si par contre, vous n'avez pas le jeu et comme moi, vous avez constaté qu'il était méga rush, et bah, dites-moi si vous avez une explication de ce prix. Et si au contraire, bah, vous êtes intéressé par Ken, mais vous êtes totalement déçu par cet univers-là, mettez-le aussi en commentaire. Moi, voilà, j'ai donné mon point de vue sur le sujet, ma déception, mais malgré ça, j'ai voulu tester, mais impossible négatif. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu, le pouce qui fait plaisir. Et puis, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne. Dans tous les cas, les gamers, je vous dis à très vite. Ciao, ciao! L'essence même de l'école au couteau à beurre est de frapper son adversaire sans le toucher. L'attaque de la grande ours est d'une puissance incalculable. Moi-même, j'ai des difficultés pour le calculer. C'est ici et maintenant que s'achève ta route. Je serai bientôt le seul et unique détenteur du savoir au couteau à huit. Je suis Sauzer, le roi du râteau de fourrure. Je n'accepterai jamais la défaite. Garde tes sarcasmes pour toi, je suis l'héritier de l'école au couteau et je te ferai mordre la poussière. C'est ce qu'on va voir, ma poule. Prépare-toi à mourir. Il utilise la technique planche à pain.